J'aime pas ce genre de jeu. Nitrogène, ça te met en confiance tout de suite, hein, ça. F, c'est quoi ça? Un chargeur. Ok, très bien. On jettera notre chargeur ici. Un petit café? Quelqu'un veut un petit café? C'est moi qui offre. File code HB825. C'est bien, je me souviens déjà plus du premier. Quelqu'un qui peut me noter, s'il vous plaît? Alors lui, il va se lever. 2 balles. Attends, attends 2 secondes, je recharge. Combien? 2 balles. Ah! On a un problème. Alors attends. Comment est-ce que... Ah mais c'est pas nos... C'est pas les balles pour l'arme qu'on a, ça, en vrai. Alors non. Je me rappelle plus le menu rapide, c'était sur quoi? Parce que là, on a le menu 1 rapide, mais le menu 2 rapide, c'était sur quoi? Je ne sais plus. On doit avoir un menu rapide quelque part, hein. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Un latte macchiato, un lait chaud pour moi. Non mais quoi, vous croyez que je suis serveuse au bar ou... Comment est-ce que je fais du coup là? Je sais pas comment je recharge. Parce que j'ai plus que 2 balles. Comment je choisis? Alors que là, en même temps, j'en ai encore 50 et quelques. Combine. Mais je peux pas les combine avec celle qu'il y a là-bas. Ah! À moins que je les mette dans le chargeur là? Ah! Celui-là, on peut peut-être le... Ou alors, attendez. Combine. Avec ça. Comme ça, on a 2 chargeurs. Et là, il va remettre un chargeur plein. Oui! Ok, très bien. 11 balles. 11 balles? Bon, alors, est-ce qu'il est mort? On n'en sait rien. Il y a un truc ici, il se réveillera en temps et en heure. F! Ouais, il est grillé là, hein. Il n'y a plus... C'est la seringue que je vais prendre. Voilà. RU mental système, très bien. Et ça, on prend. Et on sait rien faire ici? C'est pas d'ici qu'on règle les températures, le problème de... Température? Derrière? Je comprendrai encore moins à ce système. Ah, il y a une porte, ok, très bien. Ah non, ça n'a pas l'air là. Alors ça doit être ici quelque part. C'est temps que vous m'apportiez un petit café, hein, que je cherche. Bah oui, et bah alors, si c'était utilisé pour ce qu'il y avait de ongoing dans le laboratoire, aide-moi et fais quelque chose. On doit pouvoir passer au-dessus? Je peux pas passer pour aller là-bas, on fait quoi? Mais non, et quoi? Ah mince, attends! Je peux retourner dedans maintenant qu'on l'a ouverte? Ok, très bien. J'allais dire... Ou alors on doit rentrer là-dedans? Donc cette porte est fermée, donc on peut pas aller là-dedans. On peut pas utiliser les PC ici. Là en haut, on a vu. Ça doit être là-bas en bas, hein. T'entends pas bien les sons du jeu? Alors j'ai demandé si les sons étaient bons, on m'a dit oui. Je sais rien faire là-dedans. Ah là, mon menu rapide! Je l'ai trouvé!
Température de 5. Il y a quelque chose à faire avec ces écrans, à mon avis, hein. Température de 0. Et on a les mêmes écrans ici. On a d'autres écrans ici. 20. À moins que ce soit elle, ici, la console. Ouais, non. Moins 15. J'ai pas été jusqu'ici. Ok. Running. Nitra cooling system overload. Ok. Single nitrogen stack. Use activated. Start to readjust process. Ok. Réajuste le process, s'il te plaît. Confirm. Alors. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? C'est comique aussi l'écran comme ça. C'est vraiment les anciens Windows comme ça. C'est drôle. Alors, quatre chambres. J'ai pas retenu les numéros. J'ai pas retenu. Est-ce que il y a quelqu'un qui l'a retenu? Donc, à mon avis, on a. J'ai un petit carnet. Vous avez vu les gens? Je suis organisée maintenant. J'ai un petit carnet et j'ai un petit crayon pour quand je dois noter des trucs pendant les lives. C'est trop fort. Windows 98, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais quoi, vous entendez pas le son du jeu? Je peux mettre le son un peu plus fort s'il faut, hein. Je peux vous mettre le son un peu plus fort. Voilà. Je dirais si ça va trop fort. Si c'est mieux ou pas. Alors, on a la 4 qui fait. On a la 4 qui est à 0 degré. On a la 3 qui est à 5 degrés. Ouais, je note, hein. C'est fini d'essayer de retenir par mémoire. J'ai une mémoire de poisson rouge. Enfin, normalement, j'ai une bonne mémoire, mais en live, j'ai avec la pression et tout, non. Donc, on note, c'est plus facile. Moi, comme ça, je dépends pas du chat pour tout. Et 2, 20 degrés. Et 2, c'est 20 degrés. Ok, let's go. On a regardé ici? Ouais, y a rien. Tant que c'est pas Windows Millennium. Alors, la chambre 1, moins 15. Attends, hé, où est-ce que tu vas? Comment je change du coup? Ah, alors chambre 2, 20 degrés. Attends, attends. Et quoi? Alors dans la chambre 3, je devais avoir 5 degrés. Donc si je fais ça. Ok, donc c'est en négatif. Ah, tu veux bien t'enlever de là, toi? J'ai une mouche là. Donc, on doit aller dans la chambre 2 à 20 degrés. Donc, là, ça va retirer 10 degrés, c'est ça? Ça retire 10 degrés à chaque fois. La chambre 4, elle doit être à 0. Donc, si je fais ça. La chambre 4, elle est bonne, elle est à 0. La chambre 2, elle doit être à 20 degrés. Comment est-ce que je fais pour les moins 15 du coup? Ah, là-bas, ok. La chambre 2 doit être à 20 degrés. Ah oui, on n'a pas de dose ici. Donc la chambre 3 doit être à 5. Et la 1 à moins 15. Ah, mais elle a rien là, en fait. Et la chambre 2 doit être à 20 degrés. Donc là, normalement. Ok, d'accord. La chambre 1, on a dit moins 15.
Ok, la 2, c'est bon. La 1. Il manque 5, il manque 10. Alors, la 3, qu'est-ce qui manque? La 3. Attends, vas-y, là. On doit enlever 10 degrés de là. On doit enlever plus que 10 degrés, mais si on les met là. La 1, elle est bonne. Non, la 1, elle est pas bonne, c'est moins 15 qu'il me faut. La 3, moins 5. Donc, si je fais ça, la 3 est bonne. Si je fais ça, la 1 est bonne. La 4 est bonne. Donc 4 à 0. La 4 est à 0. La 3 est à 5. Attendez, non, là, c'est pas bon. Elle doit être à 5. Ok, c'est bon. Ok. Quelque chose me dit qu'il va se passer quelque chose. Il s'est passé quelque chose, on est d'accord. Quelque chose me dit que le viral sample, je vais pas l'avoir aussi facilement. Ouais, d'accord. On n'a plus de balles dans l'autre, c'est ça? Et arrête de le courir comme une gazelle, avance! On peut le tuer? Bon, si déjà j'essayais de viser la tête, vous pensez que ça pourrait aider? Ah, mais il a chargé! Ah, d'accord, comme ça. D'accord, il a plus de munitions! Ah, mais non! Attends, avance, cours! Très bien. Je ramasserai les chargeurs qu'on a mis sur le sol. On n'a plus de balles, on n'a plus de balles, on n'a plus de balles. Oh Houston, we've got a problem. Ah, je peux pas viser. Ah si. Donc en fait, il me tourne autour, c'est ça? Ok, ça va. Easy! Easy peasy! Mais les deux en fait, hein. Lui tu dirais qu'il joue Kolchik dans les prés et l'autre tu dirais qu'elle fait. Oh, Tom, Tom, ta-da-da. C'est incroyable. Très bien, mais il est mort. Je peux récupérer mes balles? Non, je peux pas récupérer ces balles. The objective of this operation has been updated. Agent Krychek and Wes have disappeared, and until they've been found, we can't allow you to leave the building. Your new objective is to complete the mission of the Epsilon team and download all the research data on your DID. Please confirm status update. Over. Ok. Alors, je crois qu'il a go to the top floor. Y a moyen, oui? Ok, très bien. Mais il me laisse pas aller sur ton truc là. Ça y est? Ok, très bien. Je pense que là, on a dû prendre des petits coups. On n'a plus beaucoup de vie, hein. Je croyais no alteration detected, mais en fait, on n'a plus que 3 de vie là-bas au-dessus. C'est son le personnage qui fait ça, qui me dit que on a besoin de soins. Donc, croyez que celui-là, c'est juste apprendre à viser? Un powerful mental stimulant. It can also enhance power and perception of limited period of time. Ah oui, c'est ça. Ça augmente ton power, ta capacité de perception pendant un temps limité. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Du coup, on va prendre ça. Si je prends ça, ça... Attendez, on va regarder en deux. Ça me le remet sur un petit morceau, un dot en fait. Hein.
pendant encore 15 secondes. Il bouge encore. Ouais, mais c'est des spasmes, hein. Vous inquiétez pas. Il y en a qui bougent comme ça pendant la nuit. Vous inquiétez pas, tout se passe bien. Et ça, c'est des balles soignantes? Holopoint. Ah, c'est des balles un peu plus particulières, ça. Alors, j'aimerais bien attendre. Voilà, on a 90. J'aimerais bien maintenant prendre, par exemple, la barre de chocolat. Pour voir, ça me remet de la vie. Ça me remet de la vie aussi pendant 5, 10, ouais, un petit peu. On avait 6 secondes quand je l'ai vu, donc à mon avis, peut-être 8 secondes de dot de temps. Alors, E. En fait, E, je pense que je peux plus parce que j'ai plus de magazines. Donc, ce qu'on va faire, on va ramasser les magazines qu'on avait mis sur le sol parce qu'on en avait besoin. Au minimum pour recharger notre arme. Encore un. Ouais, voilà. Hop. Et maintenant, on peut les remplir. Donc, on a bien fait. Celui-là, il n'est pas vide en plus. Voilà. F. Combine. C'est un peu fastidieux, je trouve, à prendre en main le. Enfin. Non, c'est pas super fastidieux, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Attends, vas-y. Combine avec ça. Voilà, comme ça on a deux chargeurs. Et on a des hollow points. Pour le cas, on va les garder hein, pour le moment. Et donc on peut recharger notre petite arme de poing. Ce qui est peut-être suffisant. Pour quand on se bat. Et là, je crois qu'on en a récupéré une. Un chargeur qui était vide. Qu'on va directement prendre. Je ne sais pas sur quoi on va tomber. Donc, autant le recharger directement. Comme ça, on a trois chargeurs pleins. C'est pas mal de jouer avec le chargeur. Avec la gestion des chargeurs. C'est pas courant dans tous les jeux. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il doit rester un playboy quelque part si tu cherches un magazine. Au moment où je prends à boire là, on se calme. Ah. Et si je veux aller dans les toilettes des femmes, je peux pas? Je. C'est bizarre de me faire aller dans les toilettes des femmes, enfin dans les toilettes, non? Je crois que je l'ai overkill. Je pense que je l'ai overkill. Mais en même temps, il m'a un petit peu fait peur. Le salopio là. Ah. Ça c'est. Ne va pas par là, Lynx. Ne va pas par là, Lynx. Non mais je veux pas aller par là. Je crois qu'on doit aller sur Rust, les gens. Je crois qu'on doit aller sur Rust. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé à eux en vrai? Bon, là, c'est fermé. Là, il n'y a rien. Bon, il y a une armoire que j'ai pas fouillée là. Oh, ça me fait flipper ça! Quoi? Attendez. Les zombies utilisent des armes à feu maintenant? Non, il ne va pas y aller, maman.
Un truc hostile et dangereux, armé, qui tire? J'ai lu, j'ai bien lu quand même, on est d'accord? Musique d'ascenseur, les gens. Ah, on n'a pas la cinématique de l'ascenseur, on a un loading carrément. Il parle de moi? Tu crois qu'il parle de moi? Bah, je suis pas. Ah! J'ai horreur de ces ascenseurs-là. L'ascenseur où tu as les deux côtés qui sont. Désolée, hein. Ça commence à devenir un peu sérieux. On écoute, on écoute, on écoute. S'il y a des choses qui bougent, si... Gros bouton rouge! Ben, j'ai pas vraiment le choix là, en vrai. Si je mets non, il se passe quoi? Je suis obligée de mettre le virus dedans, en fait. Ok. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ouais, d'accord, on est d'accord, c'est pas moi qui parle. Ok, le système de sécurité est encore opérationnel, mais la porte est fermée. Ah. J'ai pas de câble en fait. C'est un hard. Attends, on va d'abord faire un autre tour. J'ai pas de câble de toute façon, je peux pas. Donc là, il va mettre. Ok, électronique mon lock. Ouais, logique. Mais lui, c'est 3 balles. Une. Deux. Par contre, il risque de se lever. Non, il se relève pas. Ok. Alors là, il y a un système de sécurité avec des trucs comme ça. S'il y a quelqu'un qui passe avec une arme, on va l'entendre. Donc, faudra faire un peu attention à ça. Très bien. Tout va bien. Vous avez hâte de jouer à ce jeu? Alors n'oubliez pas que c'est une version qui est une version presse pour le moment, hein. Le jeu va bientôt sortir. Donc, à mon avis, le jeu sera semblable à ce qu'il y a ici. Mais il y aura probablement des différences. Et aussi, c'est un jeu qui est pas terminé, hein, donc. Ouais, j'imagine qu'il va descendre par là, non? Ouais, on va le laisser descendre. Ah! On va s'occuper d'elle en attendant. Oh, purée! 3 balles. Quoi?
Et il a dit quelque chose le dernier pour moi-même, mais j'ai pas entendu. Lui, 2 balles, il va peut-être se relever. Faire attention. Alors, je sais qu'il y a quelque chose qu'on peut activer là-bas, mais j'aimerais faire un tour avant pour voir ce qu'il en est. Bon, les autres n'ont pas l'air de s'être relevés, donc on va faire juste un petit tour ici. Au cas où. Non, il n'y a rien. J'ai pas envie de passer là-dedans, parce que si jamais ils sont actifs et que ça fait du bruit, que ça réveille tout le monde, on n'a pas non plus 150 munitions. Alors, toi, tu vas te lever. Un portrait d'Héphaïstus, grec, qui a vécu dans un volcan, qui était le dieu des blacksmiths, des forgerons. D'accord, très bien. Ah! Normalement, dans la tête, eux, c'est 2 balles. Ah, peut-être qu'avec une, il y avait assez. Et là, c'est dieu de qui? Yerk! Chronos, le fer de Dieu, qui a mangé ses enfants de peur qu'un prenne son pouvoir. Björk! Mais qui a envie de mettre ça comme... Mais qui met ça dans un hall? On va avoir une question par rapport au dieu grec, vous allez voir. Apollo. Poésie et musique. Ok, soleil, maintenant... À mon avis, on va avoir une question par rapport au dieu grec. Il y en a encore un là-bas. On va avoir besoin de ça, à mon avis. S'ils mettent ça, c'est pas... Apollo et Arès. Arès était be sa beauté égalait son lustre de violence. C'était la guerre, non? C'était violence ou c'était guerre? Un autre code. Pollux. Le frère de Castor. Castor et Pollux. Yay! Et il était immortel. Pourtant, on le tue souvent, hein, Pollux, quand on joue avec lui. C'est la vraie histoire de la mythologie. Ouais, tout à fait, mais tu vois mettre ça comme portrait dans un hall d'entrée. Enfin, le truc, il est en train de dévorer son enfant. C'est spécial, quand même. Ça se voit que tu connais pas la mythologie grecque, si, mais tu mettrais sérieusement ça comme cadre dans ton salon? Même sans parler de la mythologie, c'est pas ça le problème, mais regardez le cadre! C'est horrible! C'est même pas beau! Enfin, c'est pas beau! Laissez tomber! En vrai, j'adore tout ce qui touche à la mythologie ou autre, mais tu mets pas ça dans ton... Tu mets pas ça dans un hall d'entrée! Dans un truc SM à la limite, et encore, ça m'a pas le même, ça m'a pas le but. Ah, à mon avis, de toute façon, on ne savait pas prendre l'ascenseur, il y avait un problème avec le password. Castor, mais ça c'est le frère de Pollux, hein, on s'en doute, on l'a lu juste avant. Encore, ça c'est joli, mais non! Goldflesh, according to the legend, I had the ability to heal any wound. Donc il avait la possibilité de guérir toutes les blessures. Un dossier, HB619. Je me demande si on aura quelque chose à faire. Oui, c'est glauque, on est d'accord quand même. Je me demande si on aura... Machine à écrire. Petite référence à Resident Evil, peut-être. F. Ah! C'est pire que les feux d'amoureux, c'est clair. Cast a light into the darkness. There shall be no storm from which I cannot save you. Alors, vous êtes spécialiste de la mythologie grecque et du clavier aussi? Ou. Comment est-ce qu'on fait? Je fais comment là, à ce moment-là, en fait? Hein? Le castor est connu pour sa queue plate. Ouais. Et aussi
Et aussi ce qu'il fait dans les rivières et tout ça. Mais ok, très bien. Alors là, je fais quoi? Alors, cast a light into the darkness. Donc, qui est en train de créer une lumière à travers les ténèbres. Et il n'y aura pas de storm from which il ne peut pas nous sauver. Et la panique! Bah ouais, mais non, mais non, ça va, mais ah! Je crois qu'il va pas des masses pouvoir nous aider, hein! Je crois qu'il va pas des masses pouvoir nous aider. Alors, si il n'y aura pas de il y aura pas de lumière qui pourra nous sauver. Alors, on a soit lui. Alors, attendez. Dans ceux qu'on a vus, il y avait qui comme Dieu? On les a tous faits? Un qui ne pourra pas. Le fait qu'il soit immortel va pas aider grand chose. Quelque chose avec la lumière. Non, ça va pas être lui. L'art et la musique. Bah, Blacksmith, non. La guerre, non. Donc, à mon avis. Donc, c'est Jason. Et c'est comment le nom? Non, c'est Pollux. Non, c'est dans la salle qu'il est l'autre. Attends, reviens ici. C'est dans la salle qu'il est. Ça, c'est Castor, son frère. Et c'est quoi son frère, lui, qui fait? Lui, c'est les chevaux. Donc, à mon avis, Golden Fleece. Mais comment est-ce qu'on va traduire ça, alors, du coup? Alors là. Il y a aussi une photo de la mission Apollo dans le bureau. Et comment je tape Zeus? Tu veux que je tape Zeus, d'accord, mais confirm. Mais en même temps, est-ce que c'est Zeus? Parce qu'il envoie un éclair à travers les noirceurs. Ah, quoique l'éclair de Zeus qui tient dans sa main. Et il n'y a pas d'orage, de tempête à travers laquelle il ne peut pas vous sauver. Ça? Ça? Et après, je ferai quoi? Enter? Non, c'est pas ça. 2 hours later. Ou alors lui, parce qu'on dit par rapport au soleil et qui va éclairer le futur avec l'art et tout ça, mais ça m'étonnerait. Je vois pas pourquoi ce serait lui. Je veux bien que. Bon, on peut essayer Apollo en se disant qu'il y a la photo d'Apollo en plus, mais ouais, le blacksmith ça n'a rien à voir, et non, et lui ça n'a rien à voir. Bon, on peut essayer Apollo, mais. En même temps, Zeus me paraît logique. Parce que, avec l'éclair qu'il a dans la main et tout ça, mais le problème, c'est qu'on n'a aucune image de Zeus. Ah, attendez! Castor et Pollux, part 1. Japanese, machin, je regarde vite s'il n'y a pas un truc avec le soleil. Use human victim, machin, the funny things about this narrow escape, potentially, part 2. Apparemment, il y a un sous-marin. Castor could possibly be ultimate weapon for a large-scale chemical attack. Apparemment, Castor pourrait être une arme ultime pour une échelle, une attaque chimique à large échelle. Ce serait Castor et Pollux? Castor aussi, non?
Ah, vous savez, attaque. Attaque chimique, la chimie, vous voyez, ça pourra. Il n'y a rien qui pourra nous sauver. Une attaque chimique qui serait un éclair à travers la noirceur. On va essayer, Polly. On va essayer Castor. Alors, comment ça s'écrit du coup, alors ici? Castor. C-A. Le deuxième. Attends, Castor. Le troisième là-bas. Deux. On quitte la mythologie à ce moment-là, mais. Celui-là, hein, je crois. Confirm. Cas. Tor. Et le R, j'ai pas retenu. Est-ce que si je quitte, il va me le retenir? Non, il me retient pas. Cas. Tor. Le R, c'est le quatrième. Évidemment. Non, il l'a pas retenu, évidemment. Qu'est-ce que je dois faire? K. Tor. Peu importe la blessure, it will never end his journey. Bah donc ça, c'est lui. D'office, puisque lui, il est dit qu'il est capable de guérir. Donc c'est Goldfleece. Oh, ça va être chiant s'il va falloir écrire ça à chaque fois, non? Ou alors Jason? 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 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. La septième. Donc la septième. J'ai l'impression qu'on peut pas utiliser le N, non? Jason, AS, ouais. Alors, c'est l'avant-dernière. Et l'avant-dernière. Ok, on va essayer comme ça. Je vais de mémoire. Septième. 2, 3, 4, 5, 6. Septième. Ja. Zon. Non, c'est pas ça. A few moments later. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Il n'y en a pas un qui était dit immortel? Parce que peu importe la. Lui, il peut guérir les blessures, mais il n'y en avait pas un qu'on avait dit immortel? He said to be immortel. C'est Pollux, en fait. C'est pas. C'est pas Jason, c'est Pollux qui est dit immortel. C'est Pollux qui est dit immortel. Pollux, P-O, 2 L, 1, 2, Pollux. Et le X est au même endroit. Ok, très bien. C'est bon, je crois qu'on l'a. Pollux. F. Hop, hop. Le U, c'est ça. Et le X, c'est le deuxième. Ok, très bien. Oh! Alors, du coup, long et périlleux était le voyage off, des Argonautes pour entrer en sa possession. Long et périlleux était le voyage. Alors, s'il y a des fanas d'histoire, c'est le moment, hein. Long et périlleux était le voyage de ces Argonautes pour rentrer en sa possession. C'est la toison d'or? Donc, on doit leur mettre? Mais le problème, c'est toujours la même chose. On n'a toujours pas le. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je veux bien, mais on a de nouveau le même problème. Goal. Done. F, c'est le quatrième. F. L. E. Et le troisième, c'est E.
Non. L'histoire de la saison d'or. Très bien, mais ça va pas. Et Jason, peut-être? Du coup? J'ai... Zone? Non. Ça va bien. Alors, Golden, on recommence. Mais je peux pas mettre les espaces, donc cette Golden Fleece là, machin, cette toison d'or, elle est chiante. 5. Golden. Je peux pas faire un espace tout simplement sur mon clavier? Ulysse? Ulysse? Pourquoi vous... Mais j'ai pas... Alors, on va réessayer encore une dernière fois avec le F au cas où je l'aurais mal fait. J'essaierai Ulysse après. F, L. E, E. C, E. Mais en même temps, ça me semblerait bizarre qu'on parle d'Ulysse. Ok, il est mort. Ok, donc c'était bien la toison d'or. Revisiter la... Mais tout à fait, la mythologie. Tous les lives sont prétexte à réutiliser, à revisiter des trucs. Il n'y a aucun souci avec ça. En plus, j'adore, moi, tout ce qui est... Non, c'est pas ça que je vais faire. Mythologie ou autre. Bon, je la retiens jamais. Je vous avoue que je la retiens jamais. Par contre, je suis en train de me dire qu'il est bientôt 22h. Et donc, il va falloir qu'on arrête là-dessus, les gens. Ben oui, il va falloir qu'on arrête là-dessus. Donc sur YouTube, j'espère que ça vous aura plu. Je crois qu'on vient d'avoir une sauvegarde, donc c'est typiquement le moment où on va arrêter, hein, voilà, tout à fait. On a juste passé 3 secondes, hein, sur cette énigme, parce que voilà, on est trop fort et le chat, on est trop fort. Donc venez nous rejoindre sur Twitch, comme ça vous pourrez revisiter votre mythologie grecque avec nous, oui. Parce que des fois c'est les maths, des fois c'est la mythologie grecque, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me dire sur YouTube si vous avez envie qu'on en refasse la semaine prochaine. Apparemment, on n'est pas au bout de la démo. Il y a encore moyen qu'on puisse y retourner dessus quelques heures, un tout petit peu en tout cas. En attendant, moi je vous fais plein de bisous bisous. N'oubliez pas les petits commentaires, les pouces en l'air, tout ça, tout ça. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.